Régulièrement sur le devant de la scène médiatique depuis que son mari Barack s'est déclaré candidat à la présidentielle américaine il y a quasiment 15 ans, Michelle Obama va découvrir un nouveau monde avec la création de sa propre série. Intitulée Gaufrette et Mochi, cette série pour enfants espère faire la promotion de la nourriture saine et combattre la malbouffe. Invitée dans l'émission de Jimmy Kimmel pour promouvoir cette série, l'ancienne première dame a d'abord été interrogée sur la façon dont sa famille a vécu le confinement. On essaye de partir du principe que si on est en bonne santé, on a beaucoup de chance, mais on est resté confinés ensemble pendant très longtemps. Jimmy Kimmel a ensuite interrogé Michelle Obama sur sa relation avec ses filles Malia et Sacha, âgées respectivement de 22 et 18 ans. C'était amusant pendant longtemps, nous avons adopté cette routine où chacun allait dans son espace pour travailler, les enfants suivaient leurs cours et ensuite on se réunissait pour l'heure du cocktail et pour faire des activités ensemble comme des puzzles ou de la peinture. Je pense que ça a duré à peu près un mois. Elle explique qu'au bout d'un moment, les relations entre les membres de sa famille ont commencé à se détériorer, au fur et à mesure, les filles ont commencé à venir à table de plus en plus tard, en étant plus renfermées sur elles-mêmes. Au bout d'un moment, nous n'avions plus rien à nous raconter. Michelle Obama pas surprise par les déclarations de Meghan Markle très active en ce moment. Michelle Obama est apparue dans plusieurs émissions américaines et notamment dans Today, l'émission de NBC. Elle a été interrogée sur le sujet incontournable du moment, si est-ce qu'il y a à dire l'interview de Meghan Markle et du prince Harry par Oprah Winfrey. Elle a notamment réagi aux déclarations de Meghan Markle sur le fait que la famille royale ait formulé des inquiétudes sur la couleur de peau de son fils Archie. Comme je l'ai déjà dit, la race n'est pas une construction nouvelle dans ce monde pour les personnes de couleur, et ce n'était donc pas une surprise d'entendre ces choses. Elle a avant tout souhaité que la famille royale puisse un jour se réconcilier, ce que j'espère, et ce à quoi je pense, si est-ce qu'avant toute chose, ils sont une famille. Je prie pour qu'ils se pardonnent et qu'ils guérissent pour qu'ils puissent utiliser cette période comme un moment propice pour apprendre, pour nous tous.